Quelle agréable journée! Parlez pour vous, professeur. J'ai encore perdu à Fortnite et pour couronner le tout, on m'a bouffé mes chocolats. Ce n'est pas tellement un langage approprié pour un gentleman. Professeur, n'avez-vous pas oublié comment la Altava m'a parlé la fois où j'ai volé ses lunettes? Et un peu de respect pour mon assistante, et de toute façon, c'était pas toi, c'était Flora. N'empêche, je vais retrouver le voleur de chocolat, ne t'inquiète pas. Luc, ne commence pas à déjà m'accuser, ce n'est pas moi, je déteste les chocolats noirs. J'étais avec Amy, ça peut pas être moi, je suis allergique en plus. L'une des filles nous cache quelque chose. Elle nous montre, professeur, elle nous montre. Flora n'est pas allergique. Ne m'accusez pas. De toute façon, j'étais à mon cours de karaté lors de ce vol. J'ai un aveu à faire. J'ai tué, enfin, mangé les chocolats de Luc. Je voulais en laisser. La gourmandise est un vilain défaut. Mais professeur, mes chocolats sont morts. C'est mal de tuer les gens. Parce qu'après ils sont morts. Mon Dieu! Désolé professeur, mais promets-moi de ne jamais recommencer. Promis. Le mystère du chocolat est résolu, professeur. Mais pourquoi Flora a-t-elle menti? Et Amy? Elle n'est toujours pas revenue. Amy a un cours de 2 heures aujourd'hui exceptionnellement. Et Flora? Eh bien, je l'ignore, Luc. C'est une énigme laissée par la nature.